endroits, c'est les maisons ont poussé ici. Quand on ici, c'était vide avant. Comme il y a maintenant l'Indien en haut là-bas. Mais ils ont carrément ouvert un petit. Oui, la dernière fenêtre. Oui, il n'y avait pas ça. Comme ça, quand tu achètes ton terrain, c'est la brousse. Et puis 2 ans plus tard, si on arrange la route, alors c'est fini. C'est comme le loyer, c'est même augmenté. C'est sûr que les gens sont même déjà arrivés avant nous. Parce que je connais les gens de Guidiga Kadibi. Ils vont venir. Dépose-moi avant de faire comme tu veux. Si tu veux tourner, tu tournes. Oui, descendre d'abord. Regardez la maison là. Une petite belle maison. Soleil, il vient pas. Tiens, ça laisse, tu détaches ça, ça va. Vous regardez, voilà l'orphelinat quand je vous parle souvent là. Soleil, viens par ici. Soleil, entre là. Il est le chien, non? Le chien n'a pas passé comment? Bonjour. Est-ce que les enfants n'ont pas peur du chien? Moi, mais j'ai peur du chien. Ouais. Comment tu es belle, hein? Tu es belle comme ça. Merci. Comment tu vas? La mère dit qu'elle a peur du chien, c'est grave. Bonjour les enfants. Bonjour. 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 Tu as grandi. Hein? Ça va? Ça va? Hey, my. Hey. Vous êtes sapé comme ça là? Mince. Ça va? L'enfant, tu voulais s'appeler Daniel. Daniel, tu as grandi? Oui, Daniel, il est où? Il se cache toujours. Ça va? Pardon. Asseyez-vous alors, on va bien poser avec ta patte. Ils vont poser avec moi. Mais ils sont encore dans le pont. Regarde comment elle a grandi. Ça va. Merci. Bébé, merci, ça va. Ça va. Tu as grandi jusqu'à. Oh my God. Ça te plaît? Il mord comment? Tous les enfants ont peur du chien. Comment tu vas? Bonjour, ça va? Moi, je m'assois où alors? Oh, quittez. Tu as encore un nouveau bébé? J'ai les bébés. Mince! La dernière fois qu'on est venu avec un bébé ici, là, parce que si elle est grande, elle est plus bébé. Le bébé, ça s'appelle comment? Judéon. Judéon, hein?
Je donne à quel âge? Il a combien de mois? 3 mois. Les enfants ont menté. Bonjour à tout le monde. Vous ne me connaissez même pas. Vous connaissez mon nom? Tata Joseline, non. Voilà. Vous allez vous présenter, vous vous rappelez, vous connaissez Divo, non? Ils connaissent, non. Apportez les chaises. Non, les petites chaises. Donnez-le à Abel. Oui, je suis avec une dame là. Bon, on va se présenter, non? Vous vous rappelez les présentations? Qui va commencer? Je vais d'abord quelqu'un qui va faire la prière pour qu'on commence. Qui va faire la prière? Une petite prière pour commencer. Vous souhaitez la bienvenue à tout le monde. Pourquoi vous dites? Qui a dit qu'il prie? Qui a dit? La personne lève sa main. Voilà, viens prier alors. Ça veut dire que tu connais aussi prier. Il va prier après. Toi, tu pries d'abord. Tu as la paresse pour prier? Non. Ah. Ok, levons-nous. Tout le monde se lève. Allez. Voilà. Au nom de Jésus, viens encore devant toi, viens encore te dire merci pour cette journée que tu nous accordes ensemble, Seigneur. Que Père, 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 quand nous serons en deux, Seigneur, viens tout de tout, Seigneur, nous recommandons tout ce que nous allons faire sur tes mains, Awen. Protège-nous, Awen, qu'aucun Père ennemi va nous battre, Seigneur. Nous brisons toutes les ennemis contre nous, contre nos familles. Père, 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 bénis-nous, Awen, bénis tous ceux qui sont venus ici. Bénis tous ceux qui vont nous aider à plus grandir, Père. Amen. Voilà, applaudissez. Bon, vous n'avez pas accueilli, même quand on fait la chanson, on va tout l'accueillir la chanson. 1, 2, 3. Aïe, la mère danse plus que vous. Dansez, elle danse plus que vous. Bienvenue. Dansez alors. Yes. Ok, bonjour.
au pasteur de Céline, à monsieur Amougou, c'est monsieur Amougou, non? À Bessolo. À monsieur Abessolo, à maman, à Marie, au nom de tous les enfants de l'hôpital, pour la bienvenue dans votre maison. Amen. Je vous souhaite la bienvenue, mais bon. C'est la politesse, c'est le bien à base de la politesse comme son mari, parce que c'est rien votre maison. Amen. Vous avez vu qu'elle est venue, elle m'a même pas regardé, elle a commencé à gérer ses enfants. Donc, on est là. Maman est venue voir pour la fête de Noël. Vous savez qu'elle vient toujours voir dans les moments chauds. Alors, en rentrée scolaire, elle était là dernièrement, n'est-ce pas? Oui, maman. Qui a bien travaillé alors, là voilà qu'elle est venue. Qui a bien travaillé? Elle a payé les sanctions. Donc ceux qui ne lèvent pas la main, là, vous avez échoué. Qui a bien travaillé? Lève bien, non? Quand on a poisson, lève bien la main. Aïe! Non, tu n'as pas poisson. Hey, hey, la main! Ça veut dire que les gens là dorment. Vous dormiez trop. Tu n'as pas passé. Tu as passé. Pourquoi tu ne lèves pas la main? Voilà, waouh! Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui a passé. C'est super. Sur 26 enfants, il y a deux qui ont échoué. Waouh! Où sont les deux là même? Il y a elle et qui encore? Flo, tu as échoué pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne voyais pas bien au tableau. Hein? Elle a un problème de lecture. Elle n'arrive pas à bien lire. Maintenant, ça met quand même. Elle a commencé à bien travailler, mais elle a la fin. C'est ce que justement l'ophtalmologue a expliqué. Qu'il y a des enfants parfois qu'on croit qu'ils ne sont pas concentrés alors qu'ils ont mal aux yeux. Mmh. Okay. Non, elle n'arrive pas à lire d'abord. D'accord, d'accord. Vous comprenez, vous lisez, ça va mieux. Ah, d'accord, d'accord. Elle ne savait pas. Mais qu'elle a pris le. Vous avez su. Okay. Elle avait déjà eu le bonheur au premier scan. Oui, oui. Elle a bien travaillé à la fin. Vous avez dit qu'elle va se rattraper alors. Est-ce qu'elle a eu 9? Non, 9 ça va. 9 ça va déjà. Oui. Bon, vous allez vous présenter, non? On va commencer par où? Par ici. Voilà, lève-toi alors, tu te présentes. Ok, Emmanuela, quand tu seras grande, tu vas faire quoi? Tu seras quoi? Lève-toi. Docteuse, non, vous vous moquez de son métier, pourquoi? Dis-nous alors, quand tu seras, pardon, je n'entends pas, elle sera coiffeuse, appelez pour elle alors, lève-toi. Bonjour, parle fort. Bonjour Flo, taisez-vous, Flo, en train de parler. Flo veut devenir docteur, pas docteuse, ok. Appelez-le pour elle, s'il vous plaît. Lève-toi alors, vas-y. Taisez-vous. Oui. Bonjour. Malaika veut devenir architecte. Applaudissez pour elle. Bonjour. Tu vas faire quoi quand tu seras grande? Hein? Je ne sais pas encore. Tu seras mannequin. Alors, applaudissez pour notre mannequin, s'il vous plaît. Ça donne l'argent, hein, quand vous croyez que... Oui, bonjour. Quand tu seras grande, tu seras quoi? Tu seras aussi mannequin. On a deux mannequins, applaudissez s'il vous plaît. Maman Nathalie va avoir que les miss dans la maison, c'est là-haut. Bon, Shekina sera chanteuse, applaudissez pour elle. Taisez-vous. Tu t'appelles comment? Pierrette a 15 ans, elle va être professeure d'université, applaudissez pour elle. Ah.
Junior veut devenir footballeur, appelez-le pour lui. Messi l'a inspiré. Appelez-le pour lui, s'il vous plaît. Taisez-vous. Les deux gars là, venez ici parler d'abord, venez. Venez, vous deux, venez ici. Alexis. Toi, viens. Vous empêchez les gens de parler, ça veut dire que vous voulez parler, non? Viens parler ici là, comme combien? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Alexis. Oui. Je fais mécanique auto. Je fais mécanique tubique. Tu vas être quoi, mécanicien, c'est ça? Mécanique tubique, il va faire mécanique tubique, appelez-le pour lui. Tubine, hein. Ah, ah, il va dans la mer. Je pensais qu'il va aller les gros camions. Ok. Bonjour, Dian. Il a 17 ans. Il va être menuisier. Ok, il va être menuisier. Posez pour lui, s'il vous plaît. Viens, allons parler. Viens avec le chien, non? Comment est-ce que toi? Il y a bien que les enfants, c'est qui fout le chien. Oui. Bonjour. Moi, c'est Félix. Bonjour, Félix. Taisez-vous, les enfants. Oui, tu es en première. Tu vas être architecte. Ok, applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Voilà. Prochaine personne. Qui parlait ici là? Bonsoir. Tu t'appelles Christian. Oui, tu vas devenir quoi? Christian, il va être le prochain Cristiano. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Bonjour Naftali. Oui. Tu peux devenir architecte, appelez-le pour Naftali, s'il vous plaît. Bonjour. Hello. Vous deux là, vous avez quitté de là, hein? Quand je travaille, je délève, je... Il va devenir pasteur. Appelez-le pour lui, s'il vous plaît. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, c'est Louis. J'ai 10 ans. Je fais le CEM. C'est un promoteur. Il va être pilote. Appelez-le pour lui, s'il vous plaît. Bonjour. Appelez-le pour lui, s'il vous plaît. Oh, les messieurs. Oh. Oui. Bonjour, Kenzo. Bon, Kenzo va devenir footballeur. On va voir l'équipe de football du Cameroun, ça va ici là. Oui, bonjour. Quand tu seras grande, tu seras quoi? Elle va être cuisinière. Appelez-le pour elle, s'il vous plaît. C'est bien ça. Bonjour Yanis. Hey, il va être footballeur. Allez, appelez-le pour lui. Mais c'est un ingénieur en bâtiment. Merci. Bonjour. Elle sera docteur quand elle sera grande. Appelez pour elle. Viens, allons parler. Et parmi les enfants, là, vous serez quoi? Ah, voici l'autre. Oui. Bonjour. Tu fais la cile. Quand tu seras grand, tu seras quoi? Hein? Tu as la même âge que elle, non? Elle a dit qu'elle veut te cuisiner. Toi, tu veux être quoi? Elle veut préparer la nourriture. Toi, tu veux faire quoi? Hein? Tu ne connais pas encore? Tu vas encore réfléchir. Ok. Applaudissez pour elle alors, s'il vous plaît. Tu as parlé. Viens. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Regina. J'ai 16 ans.
Ok, elle sera danseuse. Applaudissez pour elle. On voit qu'elle a les talents dans cette maison. Vous savez que tout ce que vous voulez faire, vous pouvez faire, non? Vous savez ça, non? On commence d'abord par faire quoi? Qui connaît ce qu'il faut faire quand on veut réussir? Il faut quoi? La première chose, c'est quoi? Oui. Oui, parle. Lève-toi, tu parles, oui. La première chose à faire, c'est quoi? Il faut échouer à l'école. Il faut d'abord passer, non? Est-ce qu'il faut passer avec 9 de moyenne? Non. Il faut passer avec combien de moyenne? Moi. Oui. Avec combien? 20. Non, 20. Vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas avoir 20. Oui. 19 de moyenne. Combien de moyenne encore? 18. Combien? Comment ça descend seulement? Combien encore? Oui. 17. Oui. Mais ok, donc tu peux avoir plus de 14. Qui a plus de 14 ici là? Moi, j'ai plus de 14. Mais voilà. Vous pouvez avoir 17 de moyenne, 19 de moyenne, c'est possible. Oui. Tu peux être en terminale, tu as 17 de moyenne. Hein. Oui. Non, il ne faut pas voir ce que les autres font. Oh, il a 9 de moyenne, il te dit que c'est dur, tu vas le croire. Et vous pouvez aussi partir dans les grandes écoles. Vous comprenez? Les grandes écoles ont les bourses. Ils prennent les gens qui étudient bien, qui sont disciplinés. L'autre chose qu'il faut faire pour réussir, c'est quoi? Il faut être têtu à la maison. Les têtus, là, levez la main, s'il vous plaît. On va applaudir pour vous. Les têtus. La maîtresse n'a que deux têtus, là. Elle va vous pointer, elle va montrer les têtus. Ah ah. Chacun se cache. Il y a un coin qu'elle gâte comme ça là-bas. Pourquoi vous faites comme si vous me sissiez? La mère. C'est ça qu'ils sont en train de faire, non? Bon, ma petite, vous avez la mère, donc pas parler. Elle va gérer ça avec vous. Vous ne devez pas être têtu, vous avez suivi. Parce que les conseils que la mère vous donne, c'est ça qui va vous aider. Vous comprenez? Quand la mère vous dit de faire quelque chose, il faut faire. Quand vous restez, on vous donne le travail. Qui a son travail à la maison ici le matin avant de partir à l'école? Qui fait son travail? Qui a réveillé son lit le matin? Ah, elle va checker. Vous voyez? Est-ce qu'il faut mentir quand on veut réussir? Est-ce qu'il faut mentir? Hein? Qui ment ici beaucoup? Vous ne mentez pas? Waouh! J'attends, votre mère arrive, elle va me dire. Je vois derrière vos visages, chacun se cache. Écoutez, pour réussir, vous devez travailler dur. Vous ne devez pas mentir, vous devez être honnête. Ce n'est pas parce que tu avais ton ami, il manque, toi aussi tu vas aller mentir. Parce que Dieu vous regarde, vous savez ça, non? Et Dieu récompense ceux qui agissent bien. Demain, quand... Est-ce que vous savez qu'il y a certains ici là que demain vous allez réussir? Vous allez devenir ce que vous avez dit. Et vous savez que ceux qui sont têtus, ils ne vont rien faire, non? Ils seront ici à l'offre, en train de nettoyer le sol. Parce qu'ils auront choisi. Parce qu'on a des partis à l'école, ils ne sont pas partis. On a dit étudier, non pas étudier. Ils sont devenus têtus. Il y a des personnes qui sont passées, ils sont devenus têtus, ils sont partis. Ils n'ont pas fini leur école. Aujourd'hui, ils sont en train de galérer comme ça. Ils n'ont pas de boulot. Parce que tu n'étudies pas, on va t'employer comment? Tu vas travailler comment? Tu vas trouver le travail comment? Parce que tu ne connais rien faire. Vous comprenez bien? Ok. Elle est partie checker les lits maintenant. Elle va venir vous dire. La mère, il y a ici qui n'a pas dressé son lit. Il n'y a que pour Fortune qu'on n'a pas dressé. Vous n'avez pas aidé pourquoi? Ouais. Les filles, les garçons, ils peuvent aussi dresser. Les garçons, tu as avec Daniel. Vous avez amené pour Daniel. Vous avez mis son macabre dehors. Ok, c'est bon. Tu sais, chaque fois que j'ai l'occasion avec les enfants, j'insiste toujours qu'ils comprennent que ce n'est pas parce que peu importe d'où vous êtes parti, vous pouvez passer dans l'orphelinat, demain vous devenez premier ministre du Cameroun. Alléluia. Vous suivez bien. Si vous travaillez bien, c'est Dieu qui va vous bénir. Vous comprenez, non? C'est Dieu qui va vous bénir. Ce n'est pas maman Nathalie qui bénit les gens. C'est Dieu qui bénit. Et Dieu bénit les gens qui sont excellents. Vous suivez, non? Voilà, asseyez-vous, les bienvenus. Soyez les bienvenus. C'est mon staff. On les a laissés au bureau, ils traînaient du pas. Vous traîniez, n'est-ce pas?
The Gift Giving Academy, tu vois en retard. Non. Vous comprenez ce que dit les enfants? Dieu vous a donné la grâce d'avoir une maman qui s'occupe de vous. Maintenant, vous devez écouter ce qu'elle vous dit. Vous comprenez? Deuxième chose, vous devez prier aussi. Faites confiance en Dieu. Parce que Dieu ne peut pas vous lâcher. Dieu, c'est le père des orphelins. Vous comprenez? Et quand Dieu est ton père, la Bible dit que quand Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Donc, quand Dieu dit que ça, c'est mon enfant, et c'est la personne. Qui connaît l'histoire de Joseph? Joseph. Je parle du premier Joseph qu'on a lancé dans le trou là. Voilà, on avait regardé ça quand il était venu ici avec les vidéos, non? Oui. Qui connaît son histoire? Ça s'était passé comment? Quelqu'un peut nous raconter rapidement? Est-ce que ses frères l'aimaient? Non, on ne l'aimait même pas. Est-ce que Joseph, quand il a grandi, il était avec son père? Il était avec son père? Non. Il était avec sa mère? Non. Il était seul, non? Oui. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il était comment? Il était têtu? Non. Il travaillait bien, non? Oui. Il travaillait tellement bien que Potiphar a choisi, a décidé que quoi? Que c'est Joseph qui va gérer toute sa maison. Donc il a pris une grande maison comme celle-là, que Joseph, maintenant c'est toi. Et Joseph était jeune, hein? Il était encore jeune. Il dit que c'est toi qui vas gérer ma maison parce que tu es honnête. Il a eu la faveur. Maintenant, la femme de Potiphar, il y avait le diable dans son corps. Elle a dit qu'elle ne peut pas laisser le petit garçon comme ça. Elle est venue à commencer à le draguer. Le gars a dit que ma chérie, tu ne peux pas gâter ma destinée. Je connais là où je pars. C'est ça. Écoutez, les gens vont vous tenter. On va dire qu'il faut mentir. Il va voler, tu viens me donner. C'est votre destinée qu'on vient gâter. Oh. Moi, je vous dis, vous avez compris. Est-ce qu'il a accepté? Non. Il a refusé, non? Elle est partie mentir à son mari. Non, Joseph m'a violé. Il a fait comme ça. Et il s'est fâché. Il a porté, je l'ai mis en prison. Joseph est arrivé en prison et est devenu têtu. Il a fait comment en prison? Il travaillait bien. Il aidait tous les prisonniers. Il nettoyait bien. Il faisait bien son travail. Le chef de prison a dit, mais l'enfant, il travaille bien. Hein. Qui parmi vous ici travaille bien? Qui sortent? Ah! Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Il part à quelle heure? Ok, ok. Pas de problème. Bye bye, les enfants. Regardez pour le bulletin. Quand Joseph est arrivé en prison, il a fait comment? Vous connaissez la prison? Qui connaît un peu la prison? Voilà. Est-ce que la prison est bien? C'est pas bien là-bas, non? Il est arrivé là-bas, il est devenu têtu. Il a marché avec les bandits. Est-ce qu'il volait? Il était toujours bien, assidu. Après, le chef de prison a dit que non, Joseph, l'enfant, c'est trop bien. Il faut que je le mette chef des prisonniers. Il est devenu chef des prisonniers. Il s'occupait maintenant de tout le monde en prison. Vous voyez comment la faveur était avec lui, non? Donc même si on manque sur vous quelque part, ce n'est pas parce qu'on a menti sur vous que vous devez partir mentir. Vous suivez? Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que viens, on va faire les mauvaises choses que tu vas partir faire. Vous suivez? Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Parce que quand Dieu a écrit votre destinée, ce n'est pas moi qui vais venir changer votre destinée. Vous me comprenez? Vous comprenez, non? Ok, à bon entendeur. Salut. Voilà. Après, Joseph est devenu quoi? Premier ministre de toute l'Égypte. C'est un peu comme si tu poses aux États-Unis, tu deviens président des États-Unis. Personne n'était plus puissant que lui, à part le pharaon. Donc, c'est lui qui commandait, c'est lui qui commandait la nourriture, tout. Donc, vous voyez que sa faveur l'a poursuivi partout. Est-ce que quand il est devenu premier ministre, il a commencé encore à voler? Il a encore travaillé, non? Vous voyez que le travail l'a poursuivi partout, non? Le travail a poursuivi partout, non? Oui. Voilà. Tant pis pour vous si vous voulez vous travailler. Si vous voulez vous travailler, il n'y a pas de problème. Vous avez dit que vous allez rester ici nettoyer le sol. Qui va nettoyer le sol ici dans 10 ans? Hé, hey, personne. Hein? C'est pas intéressant, non? Tu veux aussi venir garer ta voiture, tu viens parler à tes petits frères ici, tu dis que moi aussi j'étais ici, ça fait 10 ans que j'étais ici là. Tu gardes la grosse voiture, tu viens, tu donnes la nourriture aux enfants ici là. Tu apportes encore quoi? Qui va, vous allez apporter quoi ici plus tard? Quoi d'autre? Quoi? Quoi? Les dons. Les dons quoi? Le poulet. Le poulet. Hé! Hey, dans les orphelins? Les orphelins qui sont ici en 2032 vont manger le poulet tous les jours. Quoi d'autre? Le riz. Le riz. Quoi d'autre? Les chèvres. Les chèvres, hein? Le jus. Le jus, hein? L'eau. Ok, et l'eau? L'eau. Tu
as monté le bœuf, hein? Hey, tu as le cœur du lion. Avec les chiens, hein? Ils vont fuir. Je suis venu avec le chien, vous avez fui mon chien. Écoutez, personne ne peut vous, même vos parents, personne ne peut être avec vous quand vous faites de mauvaises choses. Comprenez bien, c'est entre vous et Dieu. Maintenant, si vous choisissez de faire ce qui est bien, ça va vous aider. Si vous choisissez de mentir, ça va faire comment? Ça va vous détruire. Vous comprenez? Parce que Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Voilà. Ok. Je suis venu avec quelques personnes ici là qui ont. Eux, ils travaillent dur. Hein? Moi, elle est gronde beaucoup. Vous les voyez, les tontons, cela non. Je les gronde, je coque même leur tête souvent. Oui, oui. On travaille ensemble. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont. Ils sont pas au Cameroun. Ils ont vu comment je viens souvent ici là. Ils ont dit qu'ils vont aussi participer pour votre fête de Noël. Qu'ils vont vous envoyer des cadeaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maman Nathalie va vous acheter les cadeaux après. Nous, on n'est pas parti au marché pour vous acheter les cadeaux. Les gros garçons, là, vous venez vous cacher. Venez ici là, je vous cherche. Venez. Venez ici là, non. La base, viens parler ici là. Ta voix a changé, je suis sûr. Bonjour. Mm-hmm. Comment tu vas? Très bien. Tu t'appelles comment? Mm-hmm. Tu fais quoi dans la vie maintenant? Tu es grand, non? Il peut me dire que quand tu seras grand, tu es grand. Quand tu es venu ici en 2019, tu étais petit, maintenant tu es grand. Tu fais quoi maintenant? Froid et climatisation. Tu fais froid et climatisation, hein? Ça c'est super, applaudissez pour lui. Et toi? Bonjour. Comment tu t'appelles? Bonnet. Peggy, hein? Ok. Tu fais quoi maintenant alors? Tu fais F3, hein? Électricité. Applaudissez pour lui. J'espère que vous montrez le bon exemple à vos petits frères. Hein? Comment vous baissez seulement la tête? Ok. Non, il a parlé, il s'est déjà présenté. Bon, est-ce que maman Nathalie est partie? Elle est partie. Ah, les enfants, avec qu'elle est en train de revenir. Bon, je vais arrêter le truc, je vais arrêter la vidéo. Il y a la dame là, est-ce que tu peux sortir tes biscuits? Je ne sais pas, tu as écrit les biscuits, non? Comment ça, on va leur donner? Ceux qui ont apporté les biscuits là, sortez ça, on mange. Sortez vos biscuits, on mange, comment est-vous? Ok. Bon, on va partager ce qu'on a apporté. Et puis on va remettre aussi vos dons, ce que vous avez donné. Oui. C'est toi qui dérange beaucoup les gens. Partagez alors. Enfin, si tu pèses. Donc pour ceux qui regardent, je vais vous donner le montant de la cagnotte. Quand je ferai la remise du prix, je vais refaire une autre vidéo pour vous.